Nor était l'épouse la plus aimée du roi Hussein de Jordanie. Elle n'avait pas de racines royales et était née et avait grandi en Amérique. Mais cela ne l'a pas empêchée de devenir reine de Jordanie. Ils ont vécu ensemble pendant 21 ans et auraient pu avoir plus de temps ensemble si ce n'était pas pour le décès de Hussein dû à une maladie. Comment une simple Américaine a-t-elle réussi à devenir la femme du roi? Et où est-elle maintenant? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Commençons. Lisa Najib Halabi est née à Washington, D.C., États-Unis. Son père, Najib Halabi, était d'origine syrienne-libanaise, et sa mère, Doris Carlquist, était suédoise. L'arrière-grand-père de Lisa, Elias Halabi, s'est installé à New York vers 1891 en tant que l'un des premiers immigrants syro-libanais. Le père de Lisa a eu une carrière diversifiée. Il était chrétien scientiste, pilote d'essais expérimental dans la marine, cadre de compagnie aérienne et fonctionnaire gouvernemental. Il est également connu pour avoir effectué le premier vol transcontinental en jet de l'histoire américaine et pour avoir été président de Pan Am de 1969 à 1972. Comme vous pouvez le voir, la famille de Lisa n'avait pas d'origine royale, mais ils étaient privilégiés, riches et respectés. Ils vivaient en Amérique, mais se souvenaient de leurs racines arabes. Cela aiderait ensuite Lisa à gagner du respect en Jordanie. Lisa Najib Halabi a obtenu un baccalauréat en architecture et en urbanisme de l'Université de Princeton. Ensuite, elle a déménagé en Australie, où elle a travaillé pour une entreprise spécialisée dans la planification de nouvelles villes. Durant cette période, elle rencontre le roi Hussein de Jordanie. Leur première rencontre a eu lieu à l'hiver 1976, alors que Lisa voyageait avec son père. Ils assistaient à une cérémonie spéciale célébrant l'achat du premier Boeing 747, de Royal Jordanian Airlines. C'est au cours de cet événement que Lisa a rencontré le roi Hussein et son épouse, la reine Alia. Un événement très triste s'est produit dans la famille royale de Jordanie juste un an plus tard. La reine Alia est décédée dans un accident d'hélicoptère. Ce fut une immense tragédie pour le roi Hussein. Il aimait profondément sa femme, et ensemble, ils ont élevé 3 enfants. 2 étaient leurs enfants biologiques, et 1 était adopté. De plus, le roi avait été marié 2 fois auparavant. Son premier mariage, dans sa jeunesse, était avec la 3e cousine de son père, la princesse Dina, qui lui avait donné une fille. Son 2e mariage était avec une femme d'origine britannique, nommée Tony Gardiner, qui est devenue princesse Muna et a eu 4 enfants avec lui. Le fils aîné de ce mariage est l'actuel roi de Jordanie, Abdullah II. Donc, avant d'épouser sa 4e femme, le roi Hussein avait déjà 8 enfants avec 3 femmes différentes. Après la mort de sa précédente épouse en 1977, le roi Hussein a ressenti le besoin d'un nouvel amour dans sa vie. Lisa Halabi est la femme qui a joué un rôle important en l'aidant à surmonter la tristesse et à retrouver le bonheur. Leur rencontre s'est produite de manière inattendue. En 1977, Lisa a été acceptée à l'école de journalisme de l'Université Columbia. Mais avant qu'elle puisse commencer, une offre d'emploi intéressante lui est arrivée. Le fondateur et président de Royal Jordan Airlines lui a proposé de superviser un département responsable de la planification, de la conception et de la maintenance des installations de la compagnie aérienne en Jordanie et dans le monde. Lisa a accepté cette offre, une décision qui allait considérablement transformer sa vie. En avril 1977, le père de Lisa l'a présentée au roi Hussein. Lors de leur rencontre, le roi a discuté de questions de travail avec la jeune fille. Ils se sont bien entendus et ont décidé de déjeuner ensemble le lendemain. Juste une semaine plus tard, le roi a commencé à montrer de l'intérêt pour Lisa et lui a demandé de le rejoindre à Aqaba pour un week-end avec ses enfants et ses amis. Après cela, ils ont régulièrement passé du temps ensemble chez lui, appréciant des activités telles que regarder des films et faire de la moto et du hélicoptère. Plus important encore, ils chérissaient leurs conversations et partageaient leurs sentiments. Leur histoire d'amour a fleuri rapidement, peut-être même trop vite, compte tenu du fait que le roi Hussein avait récemment perdu sa bien-aimée femme, la reine Alia. En avril de l'année suivante, le roi a rencontré le père de Lisa et a ouvertement exprimé son désir de l'épouser. Malgré l'affection profonde de Lisa pour le roi, accepter sa proposition n'était pas simple.
la différence d'âge significative de 16 ans et les 9 enfants du roi posait des défis. De plus, après le mariage, elle devait devenir musulmane et changer complètement de vie. Dans son livre « Leap of Faith, Memoirs of an Unexpected Life », publié en 2003, elle a écrit « Je ne nierai pas que l'idée d'être sa quatrième épouse ou la quatrième épouse de quelqu'un me dérangeait. » Pourtant, malgré ses préoccupations, elle a accepté le mariage. En juin 1978, leur cérémonie de mariage a eu lieu au palais Zahran à Amman. Avant la cérémonie islamique traditionnelle, Lisa a embrassé l'islam et a reçu le nom de Nour al-Hussein, ce qui se traduit par « la lumière de Hussein ». Après la cérémonie traditionnelle, une grande célébration a eu lieu, à laquelle ont assisté 500 invités, dont des personnalités influentes du monde entier. Après les festivités, le couple est parti en limousine pour leur lune de miel. Lisa Najib Halabi a été couronnée reine, devenant ainsi la première reine née en Amérique à régner sur un pays arabe. Le peuple jordanien avait des sentiments mitigés à l'égard de la nouvelle épouse du roi. Certains n'étaient pas certains qu'une femme occidentale puisse s'adapter pleinement à la vie en Jordanie. Cependant, d'autres connaissaient ses origines arabes et étaient heureux que le roi ait trouvé un nouvel amour après la perte de sa précédente épouse. Mais la jeune reine Nour a véritablement captivé de nombreuses personnes. À son mariage, elle a enchanté les invités par son style exquis, impressionnant tout le monde avec sa magnifique robe de mariée et sa coiffure. Les Jordaniens ont également ressenti une forte connexion avec Nour lorsqu'ils ont appris sa décision d'adopter les enfants du roi, issus de son précédent mariage. Elle a construit de bonnes relations avec les enfants de feu, la reine Alia, et a pris en charge la gestion du foyer royal. La reine Nour et le roi Hussein ont accueilli leur premier fils, Hamza, 2 ans après leur mariage. Un an plus tard, leur deuxième fils, Hashim, est né, suivi de 2 filles nommées la princesse Iman et la princesse Raya. Tout au long de leur mariage, le roi et la reine étaient toujours ensemble, assistaient à des événements importants et s'engageaient dans des activités politiques côte à côte. Ils semblaient incroyablement heureux ensemble, faisant de leur mariage le lien le plus joyeux et durable dans la vie du roi de Jordanie. Ils ont partagé 21 merveilleuses années, mais malheureusement, la vie du roi a été interrompue par une terrible maladie en 1999. Après le décès du roi Hussein le 7 février 1999, la reine Nour avait espéré que son fils Hamza prendrait le trône. Cependant, Abdullah II a pris le pouvoir, mettant Hamza à l'écart en nommant son fils prince héritier, ce qui a réduit l'influence de la reine Nour. Lorsque son fils a exprimé des critiques contre le gouvernement et a été placé en résidence surveillée, la relation de la reine Nour avec la famille au pouvoir s'est tendue, l'incitant à quitter la Jordanie. Elle réside maintenant aux États-Unis et au Royaume-Uni. Aujourd'hui, la reine Nour a 72 ans, mais elle participe activement à la vie publique malgré son âge. Elle reste une humanitaire mondiale et une fervente défenseure de la compréhension internationale. Aujourd'hui, elle est également la grand-mère de 12 petits-enfants. Après la mort de son mari, elle ne s'est jamais remariée. Jusqu'à ce jour, elle continue de chérir sa mémoire. Parfois, elle publie des photographies du roi Hussein sur ses réseaux sociaux, qu'elle signe généralement avec des messages d'amour. Dans son livre à succès, Actes de foi, Mémoire d'une vie inattendue, la reine Nour décrit le dévouement qu'elle et le roi Hussein partageaient comme magique. « Tu ne cherches pas ça, l'amour, ça te trouve, » dit-elle. « Et ça m'a trouvée à travers lui, et je suis très bénie pour cela. » Même 24 ans après la mort de son mari, elle l'aime toujours. Ne trouvez-vous pas que c'est très touchant? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, et s'il te plaît, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés.